et bienvenue à tous pour ce 10e webinaire organisé par Deuxième Avis et consacré aujourd'hui aux patients dont le handicap entraîne des troubles du comportement. Ces troubles du comportement qu'on appelle aussi comportement problème ou comportement défi font peur et excluent de fait non seulement les personnes elles-mêmes, mais aussi bien souvent leurs familles. Alors comment expliquer ces troubles du comportement? Comment les prévenir? Comment les traiter? Pour nous éclairer aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le docteur Jeha Saravan et le professeur Eric Villet. Bonjour à tous les deux. Alors, une première question pour vous, docteur Jeha Saravan. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on appelle trouble de comportement, du comportement? Quels sont les principaux troubles du comportement et quels types de handicaps sont concernés? Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Effectivement, quand on parle de comportement problème, il y a plusieurs définitions. Je prendrai celle qui est le plus simple, que l'on retrouve dans beaucoup de littérature, définition d'Emerson, comportement d'une intensité, fréquence ou durée, telle que la sécurité physique de la personne ou d'autrui est probablement mise sérieusement en danger, ou comme des comportements susceptibles de limiter ou d'empêcher l'accès et l'utilisation des services ordinaires, de la cité, hein, bien sûr. Alors, quand on parle de ce comportement problème, il faut savoir que tous les travaux anglo-saxons ou même francophones font référence à ce terme anglais que l'on appelle le « challenging behavior », au comportement problème, au comportement défi, au trouble du comportement et au trouble grave du comportement. Alors, vous m'avez posé la question concernant est-ce que ça concerne tous les handicaps? Les comportements problèmes ne concernent pas, bien sûr, toutes les personnes en situation de handicap. Dans la littérature, évidemment, elle est abondante dans le cadre des troubles du spectre de l'autisme, dans le cadre aussi des troubles de déficience intellectuelle, mais ça se rencontre également, les comportements problèmes, je les prends aussi en charge dans ma pratique quotidienne, ça se rencontre également dans l'handicap psychique, hein, aussi l'handicap mental. Donc, il faut le savoir. Ce qui est important aussi, je crois, de souligner, tout comportement a une signification et l'expression de quelque chose qui nécessite d'être investigué. C'est-à-dire, quand je dis investigation médicale, n'oublions pas l'environnement et n'oublions pas le relationnel. Alors, vous savez, il y a plusieurs, c'est multifactoriel, les comportements problèmes, ça peut se manifester de diverses manières. Si je vous prends l'exemple de l'automutilation, ça va se caractériser par se mordre, s'arracher les cheveux, se frapper la tête. Si je prends l'hétéroagressivité, c'est taper, pousser, cogner, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de manifestations, c'est multifactoriel. Et surtout, je finirai en sachant que de plus en plus, on parle des comportements de problème. Ça s'analyse à partir de ce qu'on appelle la classification internationale du fonctionnement. Et il faut tenir compte de l'interaction entre la personne en question, ses facteurs personnels, et n'oublions pas tout ce qui est environnement, les facteurs environnementaux, c'est-à-dire relations sociales, familiales, le contexte professionnel, éducatif, etc., également l'habitat et tout. C'est ce que nos collègues québécois, et j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec eux, surtout à l'époque la ministre de la Santé de l'Handicap, ils avaient sorti ce qu'on appelle un modèle, qui s'appelle modèle écologique. Hein. La santé et ses déterminants, mieux comprendre pour mieux agir. C'était fait par le ministre de la Santé et de Services sociaux, par Mme Lynn Jobin et ses collaboratrices en 2012. Et donc, vous voyez, il faut tenir compte donc de cette approche. Il n'y a pas que la maladie ou autre. Hein, il faut tenir compte de tout un contexte. La maladie, bien sûr, il faut éliminer dans le comportement problème. C'est pas des maladies organiques, etc. Tenir compte aussi de la personne en question et bien sûr de l'environnement. Merci beaucoup, c'est très clair. Professeur Villet, quelles sont les conséquences pour les personnes et leurs familles? Alors, les conséquences de la présence de troubles du comportement sont nombreuses et elles sont nombreuses à tous les âges de la vie de la personne qui va présenter des troubles du comportement, comme
vient de le dire Jaya Saravan, d'une certaine manière, à l'heure actuelle, on va définir les troubles du comportement plutôt au travers de leurs conséquences sur la vie de la personne et sur la vie de l'entourage que par le type même de troubles du comportement. Il a cité les automutilations, il a cité les hétéroagressions, les comportements antisociaux, les comportements sexuels aberrants qui sont également présents. Mais ce n'est pas par l'intermédiaire de cette définition, par la nature des troubles, que l'on dit qu'il y a un trouble du comportement. Parce que derrière ça, il y a effectivement plutôt l'aspect des conséquences. Et comme il l'a dit, on va considérer à l'heure actuelle qu'il y a des troubles du comportement justement à cause, en raison des conséquences que cela engendre sur la vie de la personne. Alors, il y a des conséquences majeures qui sont des conséquences qui vont être liées à l'exclusion sociale, voire à l'exclusion même des services spécialisés qui, parfois, à un moment donné, se dédouanent de leur prise en charge de ce type de problématique. Alors que, comme l'a un peu souligné Jaya, les comportements problèmes font partie, malheureusement, des caractéristiques associées à un certain nombre de troubles. On sait qu'effectivement, il y a un lien systématique entre le degré de déficience intellectuelle, le degré de déficience de la communication et la présence des troubles du comportement. Donc, il est un peu paradoxal parfois d'entendre dire ben, « voilà, moi je ne m'occupe pas des personnes qui ont des troubles du comportement parce que ça ne fait pas partie des choses que nous prenons en charge dans notre établissement », alors que ça fait partie finalement des caractéristiques très probablement associées à un ensemble de problématiques. Donc, quelles vont être les conséquences? Vont être des conséquences sur la santé des gens, hein, puisque effectivement, lorsqu'il y a des comportements qui engendrent des lésions, évidemment qu'il y a une conséquence sur la santé physique de la personne elle-même, mais parfois des conséquences sur la santé physique, la santé mentale, hein, de leur santé mentale, pas nécessairement en termes de troubles psychiatriques, mais la santé en termes de stress que vont engendrer ces troubles du comportement. Il y a même des conséquences, je dirais, de manière indirecte sur la famille. Par exemple, lorsque des enfants, les adolescents ou des adultes font beaucoup de bruit dans un appartement, ben, il y aura des problématiques avec le voisinage qui vont parfois être présents. Et donc, on voit que ces troubles du comportement, ils ont un effet sur la personne, sur l'environnement familial, sur l'environnement qui environne la famille, et puis évidemment aussi sur les professionnels qui sont amenés à accompagner ces personnes qui vont eux aussi vivre parfois des agressions physiques, mais parfois aussi un stress professionnel, au même titre que finalement les parents vivent un stress familial par la présence de ces troubles. Et je pense que ce qui génère aussi un grand stress, c'est finalement de ne pas toujours trouver de solution qui va concourir à une amélioration de la situation et de la qualité de vie de chacun. C'est très clair. Je m'adresse maintenant à tous les deux. Comment on peut expliquer ces troubles du comportement? Quelles sont les causes possibles? Docteur Saravan. Alors, merci. J'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a un comportement, il faut aller investir, il faut faire des investigations médicales, l'environnement, le relationnel. Alors, évidemment, dans le cadre, Eric a bien dit, dans le cadre aussi médical, il y a la santé physique, la santé mentale. Il y a donc des comportements problèmes, il fallait effectivement voir, analyser, faire une investigation pour savoir s'il n'y a pas des pathologies, des comorbidités, je dirais, organiques, d'autant plus que ce sont des personnes qui n'ont pas de langage, qui sont discommunicants. Alors, entre parenthèses, moi je dis toujours, ils n'ont pas de langage oral, bien sûr, mais ils ont un autre langage, c'est le langage du corps, ce que j'appelle langage corporel. Et ça, j'essaie de faire passer ce message. Je dis, il faut observer, examiner, évidemment. Alors, dans le cadre médical, dans la santé physique et santé mentale, bien sûr, il y a des comorbidités qui peuvent entraîner des troubles du comportement si on ne les détecte pas. Je vous donne quelques exemples. Les crises d'épilepsie sont excessivement douloureuses. Il faut les détecter. Ça entraîne des troubles du comportement. Les comorbidités, les troubles gastro-intestinaux. Exemple, le reflux gastro-œsophagien peut entraîner également des troubles de comportement parce que ça entraîne des douleurs épouvantables. Donc, vous avez, dans les troubles du sommeil, par exemple, c'est pareil. Vous avez des moments périodiques, des réveils nocturnes avec ce qu'on appelle l'hétéroagressivité et tout.
ce sont aussi des phénomènes douloureux, donc il faut essayer d'aller les repérer et de les traiter. Si on les traite, eh ben on voit que les troubles du comportement s'amenuisent parce que c'est dû à ces pathologies, je dis bien organiques, associées bien sûr à l'handicap. Donc si on les traite, vous avez moins de troubles du comportement. Merci. Je vais donner quelques exemples seulement. Il y en a d'autres. Je crois que vous avez l'habitude de dire que souvent 70% des troubles de comportement viennent justement de douleurs. Exactement. Ça provient. Là, d'ailleurs, la plupart de ces troubles de comportement se manifestent. Je dirais, en fait, ce sont des phénomènes douloureux. Le grand problème, c'est que dans le cadre de l'handicap, comme on dit, que ce soit dans les troubles du neurodéveloppement, TDI, TSA et tout, l'expression de la douleur est atypique. Et c'est pour ça que même les signes cliniques d'une comorbidité organique, je dis bien des signes cliniques, sont totalement atypiques. Et majoritairement, je peux vous dire, ça se manifeste par des phénomènes douloureux. C'est pour ça que la douleur aussi est atypique. C'est pour ça qu'il fallait impérativement évaluer la douleur. Maintenant, il y a des critères, je veux dire, validés. L'expression de la douleur chez les personnes qui sont dyscommunicantes, il y a donc ces critères, et puis on a même mis en place une échelle qui est validée, une échelle d'hétéroévaluation qui est validée dans le cas des personnes qui n'ont pas de langage oral, qui sont donc des personnes dyscommunicantes, où on peut aller détecter un phénomène douloureux. Et après, bien sûr, c'est au médecin aussi d'aller retrouver l'origine de la douleur, c'est évident. On peut faire des diagnostics, on a dit qu'il y a une douleur, après ça peut être une douleur, je sais pas, douleur ORL, au niveau de la cavité buccale, ça peut être des abcès dentaires, ça peut être des caries non pris en charge, troubles gastro-intestinaux, je vous ai parlé de reflux gastro-œsophagien, des choses simples qu'il faut y penser. Merci beaucoup. Alors, professeur Willet, sur les causes aussi possibles de ces troubles du comportement. Oui. Et donc, bien évidemment, Jia Saravan vient d'insister sur cet aspect prioritaire d'une analyse des troubles somatiques qui peuvent être associés aux troubles du comportement. Au-delà de ça, cela s'intègre aussi à une perspective qui est d'une forme d'évaluation fonctionnelle de ces troubles et de comprendre les liens qu'il y a entre ces troubles et l'environnement. Et donc, on a usage de dire finalement que l'expression des troubles du comportement sont la conjonction de deux grands facteurs, les facteurs de caractéristiques personnelles et des facteurs environnementaux. Je vais juste prendre un exemple à cet égard qui est associé à l'autisme. On connaît les hypersensibilités sensorielles des personnes avec autisme. Lorsqu'on est hypersensible au bruit et que vous vous trouvez dans un environnement bruyant, la probabilité que vous émettiez des comportements problèmes est évidemment très forte, d'autant plus quand l'environnement comprend que vous êtes dans une situation d'inconfort et vous fait sortir de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Votre trouble du comportement commence donc alors à prendre une connotation de communication. Si l'environnement reproduit à plusieurs reprises, ayant compris que vous vous calmez lorsque vous sortez d'un local bruyant, finalement, le trouble du comportement devient un comportement qui est appris, enfin, dont la fonction est apprise, qui permet effectivement à la personne d'agir sur son environnement de manière très efficace. Donc, pour de nombreux troubles du comportement, au-delà à nouveau, je le rappelle, d'avoir fait une investigation des causes somatiques, il faudra aussi évaluer quelle est la fonction de ces troubles du comportement, et les fonctions peuvent être nombreuses. Il y a des fonctions que l'on dit des fonctions d'obtention ou des fonctions d'évitement que ces comportements vont exprimer. Et c'est donc tout un travail parfois que d'essayer d'analyser ces liens qui existent entre l'expression d'un trouble du comportement et l'environnement dans lequel la personne va vivre. On sait effectivement, et si je reprends un autre exemple, combien lorsqu'on a des difficultés fonctionnelles importantes, on est déficient en termes d'initiative à s'occuper par soi-même, les longs temps d'inoccupation engendrent bien souvent des troubles du comportement, surtout lorsque la personne a compris à un moment donné que lorsqu'elle a des périodes d'agitation ou des comportements problèmes, on vient s'occuper d'elle. C'est évidemment un moyen tout à fait favorable pour elle d'attirer l'attention et de permettre de capter
l'attention des parents ou du personnel. Il y a de multiples autres situations, évidemment, il est difficile d'être exhaustif dans, voilà, dans une intervention comme celle-ci, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'on va devoir effectivement chercher les causes, non pas dans la personne. Très longtemps, on a dit « c'est la personne qui est le problème ». Or, ben, on sort un peu de ce champ qui est un champ un peu très accusateur. Finalement, on accuse la personne de ses propres comportements, alors que ses comportements ne sont malheureusement que la conséquence de ses déficits et de ses déficiences dans un environnement qui n'est probablement pas adapté à ses déficits et à ses déficiences. Et donc, on est là dans une forme de cercle vicieux qui fait que il y a une primauté de troubles comportementaux qui sont par ailleurs très efficaces pour la personne. Et ça, il faut effectivement se rendre compte que ces comportements, pour la personne, ont un caractère très efficace vis-à-vis de la gestion et du contrôle de l'environnement. Mais ça, ceux qui le vivent le savent bien, hein, combien finalement, avec peu de communication, Andrea le disait là juste avant, mais finalement, ce sont des personnes qui, au travers de leur comportement, vont communiquer beaucoup de choses et contrôler aussi, de facto, beaucoup de choses. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, docteur Saravane, quand on comprend les causes possibles de ces troubles du comportement, maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-on prévenir la venue de ces troubles du comportement et si oui, comment? Et pareil, je m'adresse à tous les deux. Alors, je suis d'accord avec Eric. Hein. C'est vrai que jusqu'à présent, on tenait compte toujours de ces problèmes médicaux, mais je pense qu'il faut intégrer la personne en question. Moi, je préfère parler de l'approche, je ne sais pas si Eric est d'accord, de l'approche biopsychosociale. C'est tout l'environnement, c'est la personne, parce qu'à l'époque, on disait que c'est toujours des comorbidités. Non, il faut tenir compte, évidemment, des problèmes organiques ou même mentaux, hein, des crises d'anxiété et tout, et tenir compte de la personne en question et également dans l'environnement où il se situe. Alors, faire la prévention, c'est sûr, on insiste de plus en plus maintenant de faire la prévention. Déjà, concernant tout ce qui est médical, on essaie de mettre en place déjà un bilan. Même s'ils n'ont rien, un bilan à l'instant T0, un bilan clinique, un bilan biologique pour voir, et puis un suivi régulier. Alors, quand on parle de la prévention, moi je reprends la prévention de la santé, hein, pour la santé comme on dit, et qui peut être prévenir aussi en déclinaison individuelle, je dirais même un peu personnalisée. Donc pour ça, je pense qu'il faut, là je me rends compte, il faut, je pense, une formation en matière de prévention, en matière de repérage, et puis il faut mettre à la disposition de ces professionnels qui s'occupent des supports d'information, hein, évidemment, et de développer, moi je pense aussi, des partenariats, ce que j'essaye pour la promotion de santé, avec des dispositifs qui existent déjà sur le territoire, donc de créer des partenariats qui peuvent nous aider pour la prévention justement de ces personnes, même s'ils n'ont pas de langage. Donc on insiste beaucoup maintenant, c'est pour éviter, je dis bien, c'est pour éviter que ces comorbidités organiques associées, je veux dire, à l'handicap, hein, essentiellement dans les TSA, troubles du spectre de l'autisme et les troubles de déficience intellectuelle, c'est pour éviter que ces maladies, parce que la plupart du temps maintenant, malheureusement, ces maladies sont passées à la chronicité, et nous, on veut le prendre en charge en amont pour vraiment traiter ces comorbidités organiques, ne pas laisser évoluer jusqu'à, c'est pour ça qu'on dit, faites régulièrement bilan, évaluez systématiquement la douleur, et puis impossible. Je pense que ça doit passer aussi par la formation de tout le personnel. Quand je dis tout le personnel, que ce soit le personnel soignant et non soignant également, ils le demandent d'ailleurs. Merci beaucoup, c'est très clair. Professeur Willel? Oui, alors je vais compléter un peu ce que Jia Saravane vient d'évoquer, parce que effectivement, je crois qu'une des dimensions préventives, c'est la formation des parents, très précocement, pour effectivement expliquer qui est cet enfant au travers des problèmes qu'il rencontre pour s'adapter à son environnement.
Et une des choses, évidemment, qu'il faudra évoquer, vous avez démarré notre discussion en parlant des personnes discommunicantes. Dans, quand on dit discommunicant, c'est qu'il y a la question de la communication. Et peut-être le grand constat que l'on fait encore à l'heure actuelle, c'est d'une part d'être tous conscients qu'il est nécessaire de pouvoir mettre en place des outils de communication alternatifs. Et malheureusement, le constat qu'on en fait, c'est finalement le peu de personnes qui en disposent. Et donc, je crois qu'il y a vraiment un effort essentiel de pouvoir disposer très précocement d'installer auprès de ses enfants des outils de communication qui inévitablement progresseront. Alors certains parleront, d'autres ne parleront pas, mais en tout cas ils auront un outil de communication pour agir sur leur environnement. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est un outil préventif vis-à-vis des troubles du comportement. Comment voulez-vous agir sur votre environnement si vous n'avez pas d'outils de communication et si on ne vous a jamais appris autrement à faire les choses? Et ça, en termes de prévention, plus on apprend de compétences, plus on est compétent pour se débrouiller et moins on a recours à ces troubles du comportement. J'ai usage de dire que finalement, ces personnes qui ont des troubles du comportement, ces comportements problèmes font partie d'une valise de compétences. Et en fait, ils vont chercher dans cette valise de compétences les moyens d'agir sur leur environnement. Plus on mettra d'autres moyens dans cette valise de compétences, plus ils auront de chances d'aller chercher des compétences appropriées pour agir sur leur environnement, que ce soit des compétences sociales, des compétences d'autonomie, des compétences au loisir. Et je crois qu'il y a vraiment un enjeu extrêmement important en termes d'éducation. On entend trop souvent, mais on a le temps. De toute façon, ces comportements, ça va passer. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment une intervention assez précoce à avoir sur la naissance de ces troubles du comportement, mais peut-être bien avant que ces troubles ne soient là, non ? Promouvoir effectivement un maximum de compétences de développement chez chacune des personnes, qui aura chacune son rythme évidemment, hein, et son degré de développement à un moment donné, mais il y a vraiment beaucoup de réflexion. En même temps que cela, une réflexion sur bien savoir ce qu'est le problème de l'enfant, bien savoir ce qu'est le problème de l'adolescent. Très souvent, on parle d'autisme, on parle de déficience intellectuelle, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'autisme? Qu'est-ce que c'est que l'autisme? Comment vit une personne qui a l'autisme? Comment est-ce qu'elle appréhende son environnement? Tout ça, c'est fort important. C'est tout aussi important pour les autres problématiques, que ce soit des problèmes génétiques ou d'autres problématiques, pour pouvoir offrir un environnement qui s'adapte aussi à la personne. Je crois que le problème, c'est finalement avoir ce mythe que les personnes vont s'adapter à n'importe quel environnement. Moi, je sais qu'avec les personnes qui ont de l'autisme, par exemple, il faudra sans doute être plus clair sur le déroulement de la journée, sur le déroulement des événements, parce qu'effectivement, si on n'éclaircit pas ça, ça engendre beaucoup d'anxiété en raison de fonctions exécutives qui sont déficitaires. Si on ne connaît pas la problématique des fonctions exécutives, on ne comprend pas pourquoi on doit créer un schéma journalier visualisé pour permettre à chacun de s'adapter à ces événements qui changent dans la journée, à cette journée dont on ne connaît pas le déroulement. Et je crois que tout un chacun d'entre nous, si on n'avait pas ces repères du temps, on serait très anxieux et probablement qu'on présenterait aussi des problèmes de comportement. Donc il y a vraiment cette préoccupation pour connaître la problématique. Alors, on évoque les parents, évidemment qu'il faut évoquer la formation des professionnels. Je crois qu'encore à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine. Il y a du travail pour les professionnels, hein, parce qu'il y en a encore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on a bien compris comment on pouvait prévenir et qu'on pouvait prévenir ces troubles de comportement, mais quand ils sont là, est-ce qu'on peut les traiter? Et comment les traiter, notamment dans des situations extrêmes? Professeur Ridley, je vous passe la parole. Alors, c'est très gentil de me poser une question difficile. Voilà, l'enfant est en train de tout détruire, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? L'enfant est en train de frapper son petit frère, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Alors, simplement, peut-être la première chose, c'est que ce que l'on fait à ce moment-là n'est certainement pas ce qui fera que le comportement ne réapparaîtra pas. Ce que l'on va faire à ce moment-là, entre guillemets, c'est sauver les meubles. D'accord ? Et il n'y a aucune gêne à évoquer le fait que l'on sauve les meubles quand on est dans cette situation-là, qu'on soit professionnel ou parent. On fait parfois ce qu'on peut. D'accord ? Je pense que ce qui est important, mais évidemment, c'est facile pour moi de le dire dans un entretien comme celui-là, c'est garder son calme. Crier, être agité, augmente la pression. Qu'il y ait de
plus en plus de personnes qui viennent gérer la situation, c'est pas la meilleure chose du monde. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Plus il y a de gens pour gérer, moins c'est bon. Et donc, voilà, si on est un ou deux pour gérer une situation, c'est la meilleure chose à faire. Essayer de garder son calme, diminuer la pression, c'est vraiment ce que l'on veut faire. Parfois, il est question de devoir contenir la personne. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire. Évidemment, quand on est face à un petit, c'est plus évident en termes de gestion physique. Quand on gère des adultes ou des grands ados, c'est plus compliqué. Et que on n'est pas là. Enfin, en tout cas, il faut veiller à ne pas prendre trop de risques. Donc, toucher les gens, les approcher, n'est pas nécessairement la meilleure idée du monde. D'accord, on veut contrôler la situation, mais je pense que voilà, quand on engendre par sa réaction une lésion, qu'on a un mauvais coup, on est parfois KO et on n'est plus en capacité de réagir. Et donc, effectivement, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution du monde, mais parfois, je sais que voilà, on est amené à faire ça. Qu'il y a parfois des réflexions sur les outils de contention qui sont menés, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de contenir de manière physique, pas physiquement par notre corps, mais par d'autres moyens. C'est pas la meilleure solution du monde. C'est pas la meilleure solution du monde parce qu'on connaît un grand problème, c'est la dépendance à la contention. C'est-à-dire ces personnes qui vont finalement exercer de nouveaux troubles du comportement pour qu'on leur mette les outils de contention, parce qu'il y a une forme de satisfaction difficilement explicable, mais on connaît ce problème. Et donc, voilà, au-delà de ça, je pense qu'il est important peut-être de discuter avec des professionnels ou avec d'autres familles sur des modalités qui peuvent être mises en place. Mieux on peut prévoir ce que l'on va faire quand ça se passe, plus on est à l'aise pour pouvoir le faire. Alors, quand il y a une crise qu'on n'a jamais vue, on va réagir de la façon la plus spontanée que l'on peut. Mais si les crises reviennent, à ce moment-là, c'est peut-être important de définir une forme de protocole. C'est en tout cas ce que nous suggérons dans les établissements, mais je pense que c'est applicable aux familles aussi. C'est dire, qu'est-ce qu'on décide de faire quand il fait ça? Et je pense qu'une fois qu'on a un petit protocole dans la tête, on est beaucoup plus à l'aise pour réagir de manière cohérente. Je pense que ce qui fait aussi parfois le fait que des crises reviennent, c'est parfois l'incohérence. On le voit bien dans les équipes éducatives, par exemple. Il y a beaucoup d'incohérence dans les réactions. C'est ce qui fait que ces comportements se maintiennent. C'est presque une loi comportementale, ça. Quand un comportement est suivi de renforcement intermittent, il aura plus de chances d'être durable. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. C'est qu'effectivement, qu'on se mette d'accord entre papa et maman, entre voilà, différents intervenants sur une façon de faire. Cette cohérence-là rend les choses plus claires pour la personne. Mais je pense que ce qui fait souvent que la pression augmente, c'est qu'on est très déstabilisé par la situation. Et je pense que quand on est sécurisé par un ensemble de choses que l'on va faire dans un certain ordre, voilà, ben, on se sent soi-même plus sécurisé et je pense qu'on sécurise plus autrui. Alors, s'il y avait à nouveau la solution miracle à vous dire, ben voilà, faites ceci, faites cela, ben voilà, je pense qu'on aurait même... Ça n'existe plus. On serait peut-être moins nombreux ce soir au webinaire. On serait sans doute moins nombreux. Ça n'existe pas de solution miracle. Alors, on n'a pas encore évoqué la question de la médication. Alors, évidemment, on peut l'évoquer aussi parce que c'est parfois ce que l'on préconise dans des situations d'urgence. Il y a ce qu'on appelle la médication pro-renata, celle qu'on donne au besoin. Alors, il faut la prendre avec beaucoup de prudence parce que malheureusement, cette médication qu'on donne au besoin, on la donne quasi tout le temps quand il y a beaucoup de crises et ce n'est plus une médication au besoin, ça devient la médication permanente, dont l'effet n'est pas toujours aussi satisfaisant que celui qu'on souhaiterait obtenir et qu'aussi ben, il faut quand même mettre en évidence les problématiques d'effets secondaires et d'effets à long terme qui sont des effets plutôt nuisibles à la santé des gens et donc on ne peut pas non plus concevoir ça comme étant la solution à ces troubles du comportement, d'autant qu'on sait que la solution n'est pas là. Quand quelqu'un ne sait pas comment demander à boire, c'est pas en lui donnant des médicaments qu'il apprendra à mieux demander à boire. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi bonne raison à avoir cette réflexion-là. La question que vous posez là, qui est la question de la gestion de la crise, c'est une question très problématique.
très problématique parce qu'effectivement, on n'est pas toujours très bien préparé à ça, sauf que l'on sait que ces crises vont se répéter et qu'on peut peut-être mieux se préparer. Et si on est mieux préparé, ben, on y réagira probablement de manière plus efficace. Merci beaucoup, c'est très clair. Peut-être dernière question avant de passer la parole aux familles qui nous écoutent. Docteur Saravan, quel professionnel de santé aller voir quand on est concerné? On avait un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? Alors, professionnel de santé, évidemment, quand je dis professionnel de santé, c'est, je dirais, la limite, il faut travailler avec le médecin traitant de la personne en question. Je crois que c'est important de les incorporer, de les former aussi. Et puis finalement, on peut travailler en collaboration avec eux. Et nous, on peut arriver en tant que soi-disant spécialiste ou expert. Non, je pense qu'il faut travailler avec eux déjà dans un premier temps. Les familles et leurs médecins de famille, comme on dit, pour pouvoir travailler ensemble. Et essayer justement en amont de faire aussi avec eux la prévention. Moi, je vois que ça. Après, évidemment, il peut demander une expertise, soit dans des dispositifs dédiés ou sans dédiés, mais je pense que le plus important, c'est qu'il puisse travailler avec le médecin traitant. Encore faut-il, c'est bien. Bon, on sait que dans les pays maintenant, mais enfin du moins sur notre territoire, concernant le désert médical, c'est un peu compliqué de trouver aussi des médecins qui veulent bien accepter. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, le professionnel, la première ligne, je dirais, c'est le médecin de famille. Parce qu'il connaît déjà l'enfant, il l'a vu grandir, il sait, il peut avoir, il y a une relation de confiance aussi. Je pense qu'il faut travailler avec le médecin de famille. En espérant que ce soit bon. C'est ça. Et professeur Villers, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, ben, on peut souligner quand même l'existence de plus en plus d'équipes mobiles hein, qui se dédient à l'accompagnement de personnes qui ont des troubles importants du comportement. Alors évidemment, ça dépend de la disponibilité régionale ou départementale, mais voilà, sans, je pense qu'il y a peut-être des ressources aussi. Je pense que la collaboration entre les familles et les équipes professionnelles, c'est vraiment quelque chose d'important. Et là aussi, il y a probablement à beaucoup travailler sur la formation parce que collaborer, ce n'est pas traiter, hein, ce n'est pas faire la thérapie. Et je pense qu'il y a voilà, cette démarche aussi de collaboration qui est très importante parce que finalement, vis-à-vis de ces troubles du comportement, on est tous à la même enseigne. Hein. Je pense que c'est ce qui nous ramène à une réalité commune, c'est que on n'est pas toujours nécessairement plus malin que l'autre par rapport à ces questions-là. Et je crois que la collaboration, c'est ce qui permet aussi d'aller un pas plus loin et de se soutenir. En tout cas, nous, c'est à ça qu'on croit. Et voilà, on est là en soutien des familles, même si parfois, nous aussi, on est en grande difficulté parce qu'il ne faut pas toujours croire que les spécialistes solutionnent tous les problèmes. On est aussi en difficulté par rapport à un certain nombre de comportements, même si par ailleurs, on a du succès. Et donc, je pense qu'il y a deux choses. Il y a beaucoup de succès et puis il y a quelques situations qui nous mettent au défi. C'est pour ça qu'on les appelle comportements défi, d'ailleurs. Défi. Je suis tout à fait d'accord avec Thierry. On a développé, il y a très longtemps, en Ile-de-France, tu connais Pauline, hein, il y avait des équipes mobiles. Hein, on appelait à l'époque TED, mais maintenant c'était ça. Et cette expérience a été transposée dans beaucoup d'autres régions, en Bretagne, ça y est, ça commence. Et puis, je dirais peut-être un dernier mot, c'est vrai que parfois, bon, on est devant un échec, mais on essaie aussi de développer, justement, dans des territoires ou des campagnes éloignées, on essaie de développer ce qu'on appelle l'e-santé, l'application numérique, avec essentiellement, je dirais, téléconsultation, c'est compliqué, mais on arrive à faire ce qu'on appelle des télé-expertises ou même des télé-staff avec les collègues du coin et on arrive aussi à travailler comme ça lorsque il y a une institution, les familles sont à l'autre bout, voilà. Très bien, ben merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose maintenant donc de donner la parole aux familles et à nos internautes qui ont beaucoup de questions. Hélène, je te passe la main. Bonsoir, merci Pauline, bonsoir à tous. Merci pour les très nombreuses questions reçues sur le chat, mais aussi lors de l'inscription.
Je vous propose de commencer avec une question pour le docteur Saravan. Ah, oui. Docteur, quelles sont les solutions concrètement de répit qui existent en France et comment les trouver? Alors, c'est simple. Ça s'appelle le besoin de répit. Je dirais, pour ces personnes qui ont posé cette question, allez sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Il y a un guide qui est paru en 2021. Il y a 17 fiches, repères pour vous aider, pour les familles justement. Ils peuvent le télécharger, c'est gratuit. C'est des fiches qui ont été élaborées par la direction, si je me rappelle bien, oui, direction générale de la cohésion sociale, avec des associations, et ces fiches sont très très bien faites, donc c'est gratuit. Il y a un guide qui est publié depuis 2021 sur le site du ministère. Il y a juste à aller, on peut le télécharger en PDF comme on veut, il y a plein de petites fiches, que faire devant, j'ai besoin de vacances, il y a tout. Merci beaucoup. Alors, une deuxième question pour le professeur Willey, cette fois-ci. Je la lis. Avez-vous des signes distinctifs pour identifier un éventuel trouble d'autisme léger chez une enfant de 4 ans? Question évidemment délicate, puisque… Délicate. Voilà. Oui, oui, voilà. Donc, alors, les signes de l'autisme, on les connaît. Alors, ce qu'il faut, c'est les traduire pour les jeunes enfants dans des comportements d'enfants. Les comportements d'autisme à l'adolescence ne sont pas toujours les mêmes que ceux des jeunes enfants. Et lorsqu'on s'exprime évidemment en termes d'autisme léger, ça veut donc dire que l'expression des symptômes, qui sont les symptômes classiques de l'autisme, sont évidemment moins avérés que quand on a un autisme plus sévère. Ce qui va sans doute faire la grande différence, si c'est un autisme léger, c'est cette difficulté à la collaboration avec d'autres enfants. Je pense que c'est socialement que les choses vont être assez évidentes dans le mode de fonctionnement de l'enfant. Et donc, là, il s'agira vraiment d'une analyse clinique vraiment importante, donc d'une observation de l'enfant dans son milieu de vie, en particulier un milieu de vie dans lequel il est en contact avec d'autres enfants, pour effectivement voir dans quelle mesure sa communication sociale est adapté, voir aussi si cet enfant a des particularités en termes d'intérêts. Est-ce que ses intérêts sont un peu inhabituels pour des enfants de 4 ans? Est-ce qu'ils sont un peu stéréotypés? Est-ce qu'ils sont focalisés sur des thématiques peu habituelles chez l'enfant? Est-ce que l'enfant va aussi peut-être avoir une précocité de l'apprentissage de la lecture sans nécessairement avoir bénéficié d'apprentissage classique, qu'il apprend un peu par lui-même? Donc, il y a comme ça des signes qui sont, mais a priori, ce qui fait quand même le cœur de la difficulté d'autisme, c'est la communication sociale. Or, la communication sociale, on la voit lorsque l'enfant est en contact avec d'autres enfants. Soyons prudents par rapport au contact que l'enfant a avec des adultes. Les adultes sont souvent très demandeurs de contact et des enfants qui ont un autisme léger sont très de bons répondants par rapport aux sollicitations des adultes, aux sollicitations du monde qui est autour d'eux. Par contre, leur initiative est plus complexe. L'initiative qu'ils ont à collaborer avec d'autres enfants, à jouer avec d'autres enfants, à proposer des jeux à d'autres enfants, des jeux auxquels chacun va pouvoir participer. Ça, c'est quand même une des grandes difficultés qu'ont ces enfants avec autisme, et qui est un autisme léger. Avec la difficulté diagnostique, je crois qu'il ne faut pas nier la difficulté diagnostique. À l'heure actuelle, encore l'autisme, c'est un diagnostic comportemental. On n'en est malheureusement pas un diagnostic qui est basé sur des indicateurs typiquement médicaux comme voilà, une problématique génétique. Oui, quand il y a une problématique associée, mais ce n'est pas la situation de toutes les personnes avec autisme. Donc, les indicateurs sont des indicateurs comportementaux et développementaux. Est-ce que finalement, le développement de cet enfant correspond à un développement classique ou à un développement très atypique? Merci pour votre réponse. Alors, je vais continuer sur le même sujet, puisqu'on a eu beaucoup de questions sur l'autisme. Comment et par quelles étapes on peut diagnostiquer l'autisme chez un enfant? Alors, concernant en France,
vous savez, pour le diagnostic, elle doit être précoce et c'est fait par des experts. Hein. Bien sûr, c'est les centres de ressources autisme qui existent en France. Donc, ils ont des centres de ressources autisme, le diagnostic pour les enfants, et puis il y a aussi des centres de ressources autisme adultes pour le diagnostic adulte. Et en amont de tout ça, il y a tout un bilan fonctionnel qui est fait, un bilan sensoriel et tout. Et c'est le but de ces centres de diagnostic, ce qu'on appelle des CRA, centres de ressources autistes, qui existent sur tout le territoire. Pour les enfants, c'est entre 0 et 5 ou 6 ans. Et puis après, il y a aussi des autres. Merci beaucoup. Professeur Willet, j'ai une question plus spécifiquement pour vous. J'aimerais savoir comment accompagner un enfant autiste Asperger qui est dans sa bulle, comment calmer les crises d'angoisse, de peur, de colère d'une personne avec spectre autistique. Ah, alors bah, du coup, docteur Saravan, je vais vous laisser répondre. On a perdu le professeur Willet. Ah bon? Parce que c'était lui, hein? Alors, l'autiste Asperger qui est dans sa bulle, alors, je dirais s'il a été, ça dépend aussi de l'âge. Alors, je pense qu'il faut déjà, lorsque le diagnostic est posé, je veux dire, hein, bien posé, hein, tel que c'est recommandé, suivant les recommandations de bonne pratique, le diagnostic est posé autisme, et il y a tout de suite après quand même une prise en charge, on oublie, multiprofessionnelle et multidisciplinaire, qui associe beaucoup de personnes, hein, en fonction de ce qu'on a trouvé dans le bilan fonctionnel, le bilan sensoriel et tout, donc qui associe la prise en charge, quand je dis multiprofessionnel, multidisciplinaire, ça peut être le psychologue, l'ergothérapeute, la psychomotricienne, mais c'est comme ça qu'on arrive à travailler et de les sortir de leur isolement, de leurs problèmes de communication, altération de la communication, de l'interaction sociale. Je crois que c'est une prise en charge aussi doit être précoce, en même temps, tout de suite après le diagnostic. Sinon, après, c'est un peu tard, je dirais, un peu, même trop tard. Et c'est bien écrit hein, dans les recommandations maintenant, c'est pour ça qu'on dit diagnostic précoce et prise en charge précoce, pour éviter justement tous ces problèmes. Merci. Alors, je continue avec une autre question pour vous, docteur Saravan. On a beaucoup de professionnels de santé présents qui nous questionnent sur la formation. Est-ce que vous avez des formations ou des outils à partager avec eux? Alors, effectivement, j'ai fait des formations, c'est sûr. Alors, il y a plein de choses. Hein. Alors, ça dépend. Il y a des formations longues et des formations courtes, hein, parce que c'est comme ça. Alors, si ce sont des professionnels qui sont déjà impliqués, bon, c'est vrai qu'il faut les sensibiliser parce qu'il y a quand même une spécificité dans le cadre de l'autisme, hein, bien sûr, de bien connaître ce que c'est, bon, en dehors de l'autisme, hein, de bien connaître les comorbidités associées, comment évoluer la douleur, quelles sont les expressions de la douleur pour éviter justement les troubles graves du comportement. Alors, dans le cadre des formations vraiment longues, il y a ce qu'on appelle des diplômes d'université ou des diplômes interuniversitaires, mais c'est long, hein, c'est un an. Hein, et puis, c'est pas facile, il faut se dégager pendant un an. Et puis, il y a des formations courtes qu'on a mis en place, moi, ce qui peut durer sur 2 jours, au maximum 3 jours, pour former tout professionnel. D'ailleurs, quand je dis professionnel, hein, je forme aussi bien professionnels, bien sûr, de santé, également les personnels non soignants. Quand je dis non soignants, ce sont les éducateurs, les travailleurs sociaux, les familles et les aidants familiaux qu'on oublie. Hein, donc, je l'ai fait sur 2 ou 3 jours en formation. Alors, dans le cadre aussi de ces 2 ou 3 jours aussi, j'ai essayé de mettre en place, dans ce cadre-là, ce qu'on appelle les développements professionnels continus, qui est une obligation professionnelle de santé. Donc, ils ont le certificat de validation de leur DPC. Donc, ça peut être fait. Donc, je peux donner après où est-ce qu'on peut s'adresser pour avoir ces formations, bien sûr. Mais c'est mieux 2 ou 3 jours parce qu'ils peuvent se libérer, alors qu'un an, c'est un peu compliqué. Et puis, un DU, bon, il y a toute une partie, il y a des examens, vous voyez, c'est pas
ça peut être fait. Hein. Il y a des DU autisme généraliste où il y a, moi j'interviens aussi bien enfant qu'adulte dans les cas de DU. Et puis on a mis en place aussi des formations courtes. Et peut-être souligner ponctuellement le site ressources Andy Connect auquel vous parlez. Alors, justement, ceux qui ne sont absolument pas au courant, dans Coactis, qui est l'association hein, qui travaille, n'oubliez pas, hein, parce que je n'ai pas le temps de le dire, mais je crois que déjà, quand vous amenez quelqu'un, votre enfant, une consultation lambda ou quoi que ce soit, ou aller chez le dentiste ou n'importe, il faut impérativement, et ça j'y tiens à le dire, il faut l'habituer aux soins en amont. Bien en amont, il faut l'habituer à quoi ? Parce qu'ils vont dans un environnement qui est complètement différent, il faut les habituer aux soins. Ça s'appelle donc, Coactis a mis en place ce qu'on appelle Santé BD, hein, BD bande dessinée, qui est très très bien fait. Il y a tout, il y a des vidéos, vous pouvez télécharger. Et puis, Coactis a mis en place aussi, ce qui est très bien, l'autre côté, qu'on appelle des fiches en déconnect, sur sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est l'autisme, qu'est-ce qu'il y a, des spécificités en cas de TSA. Hein, donc, il y a tout, il y a des fiches qui sont très très bien faites par des groupes d'experts et ça vous donne déjà une idée si vous ne connaissez même pas ce que c'est que l'autisme. Moi, je le distribue à des gens qui me demandent, même à des familles qui n'ont pas du tout dans ceux aussi sensibiliser les autres, hein, je dirais, ils m'ont demandé des choses. Et dès que je peux faire un cours, j'ai sorti des fiches à des familles, je dis bien, qui ont des enfants pas du tout autistes. Ils voulaient connaître ce que c'est l'autisme et ils ont trouvé ça extraordinaire. Ils disent, ah, on sait maintenant ce que c'est. Parce qu'ils m'ont dit, mon enfant, il est dans une classe, il y a un enfant autiste avec un AVS, on ne sait pas trop. Donc, voilà. Et les fiches Andy Connect sont très, très bien faites. C'est effectivement destiné. Alors, il y a beaucoup de fiches. Hein. Il y a le TSA, il y a le polyhandicap, hein. J'en passe. Donc, et ça, vous pouvez les télécharger. Ce qui est bien aussi, hein, je le dis, hein, c'est pas du tout. Ce sont des fiches qui sont très bien faites. Santé BD aussi est très bien fait pour l'habituation aux soins. Et ce qui est important, et ça je crois que c'est important pour les familles, les aidants familiaux, c'est entièrement gratuit. C'est important de le souligner, parce que les familles n'ont pas trop les moyens d'aller acheter des trucs, ça existe hein, d'autres, mais là c'est entièrement gratuit, donc je vous dis bien, Santé BD et les fiches Andy Connect. Merci beaucoup. Alors, professeur Willa, je vais vous poser une question. Ça tombe bien, il est revenu. On vous attendait. Quels sont les outils de bien-être pour améliorer les conditions des personnes atteintes de troubles du comportement ? Alors, tout d'abord, je suis désolé, mais vous savez, la Belgique, c'est loin, c'est dans le nord, et donc les communications sont parfois particulièrement fragiles. Donc voilà, je suis vraiment désolé d'avoir été déconnecté. C'est nouveau ça, quand même, la Wallonie. Oui, mais voilà, il y a encore une frontière qui existe, et donc parfois les câbles ne passent tout à fait pas correctement la frontière. Alors, quels sont les outils de bien-être ? Ça, c'est vraiment une excellente question. Outils de bien-être, pour moi, c'est la question de la qualité de vie. Et donc, pour moi, les outils de bien-être, c'est associé à améliorer la qualité de vie des gens dans tous les aspects de leur vie. Un des aspects du bien-être, c'est d'avoir la capacité ou la possibilité de choisir. Choisir son environnement de vie, choisir ce que l'on mange, tout simplement. Avoir un environnement qui est adapté à ses besoins. Et donc, que l'environnement prenne en compte l'entièreté des composantes, avoir un environnement sensoriel qui est adapté à ces problématiques sensorielles, que ce soit des hypersensibilités ou des hyposensibilités. Je crois que l'environnement doit être un environnement confortable pour les gens. Avoir un environnement qui est soucieux de la communication, ça, c'est un outil de bien-être essentiel. À la fois, tout à l'heure, je l'ai dit, en termes de communication expressive pour les personnes, mais un environnement qui comprend la communication aussi et qui est à même d'utiliser des outils pour se faire comprendre. Je crois que rien de pire dans la vie d'être face à un environnement qui vous communique des choses mais dont vous ne comprenez rien. Et ça, on évoque trop peu malheureusement ce problème. On voit des environnements où tout le monde parle comme si on parlait à des personnes qui comprennent
la communication comme vous et moi, mais ce n'est malheureusement pas le cas des publics avec des déficiences importantes et les publics avec un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, il faut qu'effectivement, nous-mêmes fassions cet effort d'une communication plus claire, plus compréhensible au travers d'outils qui sont parfois les mêmes outils que ce qu'on attendra en termes de communication. Je pense que je penserai effectivement à la possibilité de choix, mais le choix va avec communication, que l'on est, et là je pense aux grands adolescents et aux adultes, puisque ceux qui sont tout petits maintenant seront grands dans quelques années, c'est qu'effectivement on ait des possibilités de logement qui soient des possibilités de logement plus personnalisées. Je pense qu'en ce qui me concerne, une responsabilité sociétale que nous avons, c'est de malheureusement continuer à considérer qu'avoir de l'autisme, c'est une condition génétique qui vous prédispose à vivre tout le temps avec 10 autres personnes dans un environnement résidentiel. Je crois que c'est probablement une condition qui vous prépare le moins à vivre avec d'autres. Et donc, je pense aussi que notre société doit aussi penser aux environnements de vie que l'on donne à vivre. Ne pas choisir les gens avec lesquels on vit, c'est quand même une condition difficile, d'autant que quand vous avez des troubles du comportement, la probabilité que vous deviez vivre avec d'autres personnes qui ont des troubles du comportement est très forte. Et donc, on engendre des environnements qui sont potentiellement explosifs, hein, d'une certaine manière, et très peu, finalement, très peu appropriés aux besoins des gens. Plus on est nombreux, plus c'est difficile de s'approprier aux besoins de chacun. Mais ça, je crois que c'est une question sociétale et une question politique, hein, mais à l'heure actuelle, en France comme en Belgique et comme dans beaucoup de pays, hein, ça, cette question-là elle n'est pas propre à la France, rassurez-vous. Mais je pense que ça permet aussi, lorsqu'on a des projets comme ceux-là, de se projeter de l'enfance à l'âge adulte. Je sais que vous avez abordé la question du diagnostic. Je pense que le diagnostic est une réponse à une question, mais je pense que ce que pose la question du diagnostic, c'est de reposer de nouvelles questions. Finalement, maintenant que je sais que mon enfant a de l'autisme, qu'est-ce qu'il va devenir? Comment est-ce qu'il sera quand il sera grand? Quelles opportunités de vie il aura? Je pense que obtenir un diagnostic, c'est suggérer une ouverture vers de nouvelles questions, et je pense que malheureusement, la société ne prépare pas nécessairement toujours à, je dirais, un accompagnement longitudinal de qualité. On le voit bien, et c'est le cas des personnes qui ont des troubles importants du comportement, c'est qu'elles ont un parcours extrêmement chaotique, d'établissement à établissement, certains proposant certains types de programmes et d'autres proposant d'autres types de programmes, et finalement avec un décours de vie qui est très peu continu, très peu accompagné. Et ça, je pense que c'est on parlait tout à l'heure de la prévention, ça c'est un des axes de prévention, hein. C'est que le parcours de vie soit mieux accompagné et plus harmonieux en termes de prise en charge, parce que les prises en charge chaotiques engendrent elles-mêmes des troubles du comportement. Merci, je vous propose de prendre encore peut-être deux questions et de prévoir de s'arrêter vers… on a largement dépassé, mais c'est très intéressant, il y a encore beaucoup de monde, donc peut-être prévoir de s'arrêter dans 10 minutes. Max ? Alors, je vais vous poser une question sur les aidants. La famille est impactée. Est-ce qu'il existe des aides psychologiques pour accompagner les familles et les aidants? Je sais pas, tu veux répondre, ça existe, Léa, hein. Ça existe. Moi, dans les centres que j'avais mis en place, j'avais pris une psychologue clinicienne qui écoutait les familles, les aidants. Donc, ça existe. Hein. Sur le territoire, ça existe. Ils peuvent. Alors, évidemment, il y a en libéral, il faut payer, hein, bien sûr. Et en service public, je veux dire, en public, il y en a quand même. Ça existe. Pour les familles et les aidants aussi. Lorsqu'ils ont des problèmes, ça existe. Hein. Donc, il faut les aider aussi dans le cadre de la prise en charge psychologique de ça. Je pense que c'est pareil aussi en Belgique. Hein. Oui, tout à fait. Il y a peut-être différents cas, différentes situations qu'on va rencontrer. Ça dépend un peu du type de problème qui est posé. Je pense qu'il y a des familles qui sont en grande souffrance. Les parents peuvent aussi eux-mêmes souffrir de différents
troubles psychologiques. Ben voilà, les familles d'enfants avec autisme sont impactées comme n'importe quelle autre famille. Je pense qu'il faut effectivement inverser le raisonnement, c'est qu'il n'y a pas plus nécessairement de problème, sauf qu'effectivement, la souffrance que l'on peut vivre au quotidien dans les difficultés qu'on rencontre de manière répétée ben, engendre évidemment une fragilité qui est peut-être plus grande dans les familles qui ont un enfant avec ce type de problématique. Mais je pense que toutes les situations ne nécessitent pas une démarche thérapeutique. Je pense que soutien est une démarche très importante. Et là, on peut obtenir un soutien évidemment auprès de professionnels quand voilà, le degré de difficulté est peut-être plus important. Mais moi, je crois aussi beaucoup au groupe de soutien, au groupe de soutien entre les parents. Je pense groupe que de parents, parole, je veux dire. Beaucoup de choses, oui, les groupes de parents, les groupes de parole sont des groupes dans lesquels ben, on va rencontrer des gens qui vivent aussi la même chose que soi. Et alors, ça, évidemment, ça ne solutionne pas votre problème, mais en tout état de cause, un partage des expériences, un partage de ces difficultés, quand même parfois d'un soutien aussi satisfaisant que le soutien qu'on peut obtenir de professionnels qui finalement, parfois pour certains, ne connaissent pas du tout hein, la vie avec des enfants qui présentent ce type de difficultés. Ils ont beaucoup de difficultés à imaginer, eux aussi, une problématique de théorie d'esprit finalement, hein. De pouvoir imaginer ce que vous pouvez vivre en tant que famille. Je crois que là, il y a quelque chose à résoudre. Hein. L'expérience de vie des professionnels est n'a parfois rien à voir avec votre expérience de vie. Or, je pense quand même que quand une démarche de soutien, c'est quand même important de savoir un peu de quoi la vie de l'autre est faite pour pouvoir y répondre de manière la plus ad hoc. Et donc, voilà, c'est toujours un challenge de trouver un professionnel avec lequel le feeling va passer parce qu'effectivement, on va partager des choses qui sont des choses difficiles. Et je crois qu'il y a un climat de confiance important qui doit exister entre ce qu'on appelle une alliance, hein, une alliance entre les parents et les professionnels pour que quelque chose de positif puisse se passer, puisque c'est quand même ça l'objet, c'est qu'il y ait du positif qui ressort de ça et pas que les parents sortent démolis de séances de thérapie, ce qu'on a vu par le passé. Et ça, je crois que personne n'a besoin de ça. Personne n'a besoin de ça. Merci beaucoup. Alors, je termine avec une question qui est pour vous deux également. On a eu de nombreuses questions concernant l'activité physique, pour savoir si ça avait un impact sur les troubles du comportement, ou alors un kinésiologue ou un spécialiste de l'activité physique. Alors, l'activité, je réponds tout de suite, l'activité physique adaptée et dans les recommandations de bonnes pratiques. Et ça a été démontré dans le cadre aussi, dans le cadre du trouble neurodéveloppement, et là dans le cadre TSA, et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, on préconise, et vous savez que l'activité physique adaptée, ce qu'on appelle, hein, on n'est pas dans les sports de compétition, hein, l'activité physique adaptée, vous pouvez le prescrire, même dans le cadre de la prévention, on peut le prescrire, et c'est pris en charge sur certains trucs, il faut bien préciser. Et on oublie que c'est pris en charge par la sécurité sociale. Par l'assurance maladie. On oublie ça un peu. Ouais. Donc moi, je le prescris à chaque fois. Je ne peux que concourir à cette idée que ces enfants et ces adolescents qui sont pleins d'énergie physique pour certains d'entre eux n'aient aucun espace pour l'expression de cette énergie physique. Et je crois que l'activité sportive adaptée et quelque chose qui effectivement va permettre à, enfin vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des bonnes conditions de vie? Enfin, je crois qu'effectivement l'activité physique, de quelque nature qu'elle soit, la marche est une activité physique, comme la natation, comme l'équitation, comme voilà toute autre activité physique est bénéfique. Et je pense surtout aussi pour des grands adolescents et des adultes qui ont peu d'autres lieux d'expression de leur de cette énergie qui déborde parfois. Je crois qu'on a presque ce mythe que ces personnes avec ce type de difficulté, leur devenir, c'est de rester assis sagement à côté d'autres. Enfin, c'est presque une ineptie. Ce n'est pas la vie des gens que d'avoir ce type de comportement. Et je crois donc qu'effectivement, une plus grande préoccupation, moi je fais le constat qu'en Belgique, il y a trop peu d'activités physiques dans les écoles. C'est comme si quand on est dans l'enseignement spécialisé, on a moins besoin d'activités physiques que dans l'enseignement ordinaire, alors que peut-être on en a doublement plus besoin.
Un grand merci. Je crois qu'il est maintenant temps de conclure. Donc, merci à tous les deux pour ce webinaire très riche, passionnant. Et merci à vous tous pour votre participation. Merci à toute l'équipe Deuxième Avis qui a organisé ce webinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.